Aujourd'hui, on se trouve donc à l'espace Montrichard. Oui, l'anniversaire du groupe Kalina, les 60 ans du groupe Kalina de Pont-à-Mousson. Alors déjà 60 ans. Oui, trop vite 60 ans. Oui, c'est passé vite. Très vite. On se croirait encore il y a 10 ans, quoi, quand on a fait 50 ans. Oui, c'est passé vraiment très vite les années. Nous avons fait déjà un spectacle vendredi sur Nancy avec le groupe qui est notre groupe invité et dans le cadre des Mets de l'Europe. Et aujourd'hui, un autre spectacle également à l'espace Montrichard, pour fêter ça le plus grandement possible. Vous êtes la fondatrice de la troupe, hein, Kalina ? Oui, tout au début, oui. Nous l'avons créée en 1958. On avait moins de mal à cette époque-là parce que les enfants parlaient encore la langue. Mais Liliane, maintenant, actuellement, elle a beaucoup plus de mal. Hein, parce qu'il faut parler les deux langues. Bien, c'était une belle journée, j'imagine, pour vous. Une belle journée. Très, très émouvante. Très émouvante. Autant d'années, c'est émouvant pour moi. Nous avons invité un groupe de Stara Wojska, qui est un groupe qui est du centre de la Pologne, à côté de Łódź, qui s'appelle le groupe Podlenicki. Ce sont des jeunes de 11 à 15 ans, qui chantent, qui dansent et qui jouent également de la musique. Il y a des enfants des jeunes que j'ai eus en tant qu'enfant et puis qui, au fur et à mesure des années, sont passés d'un groupe à l'autre. C'est le but de maintenir cette coutume.
Tout à fait. Maintenir les coutumes, maintenir les traditions surtout, et puis faire plaisir au public français comme au public polonais. Nous avons essayé de contacter le plus possible d'anciens de Kalina pour faire justement marquer le coup et éventuellement, s'ils sont encore en forme, venir nous rejoindre tout à l'heure sur scène pour chanter le chant final. Au prochain anniversaire. Ah oui, je vous dis à dans 10 ans.